Hello les Barbaros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle ouverture sympa avec le coffret collection premium Ashikator Vestar. Voilà. Pourquoi ce coffret cette semaine? Eh bien tout simplement parce que c'est l'un de mes Pokémon préférés de légende Arceus. On se retrouve tout de suite pour l'ouverture. À tout de suite. Et voilà les amis, donc ici on se retrouve avec la petite présentation de la boîte. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 boosters, un petit pins Ashikator, un jeton Vestar en acrylique, la jumbo Ashikator, Ashikator V et Ashikator Vestar. Ce Pokémon est magnifique. Allez, c'est parti, on ouvre tout ça. Dans quel sens on va ouvrir? Parce que j'ai pas envie de d'éclater la boîte. Même la boîte, elle est magnifique, hein. Elle est texturée comme ça, c'est vraiment génial. Hop, c'est parti. Alors. Voilà. Ah ben, voilà. Le petit code pour le jeu en ligne. La Ashikator V, oh, texturée comme ça, elle est magnifique, quoi. Je sais pas si vous voyez bien la brillance des contours comme ça, elle est trop belle. Elle va partir sous sleeve direct, quoi. Elle est trop trop belle. Et ensuite, la Vestar, elle aussi elle est magnifique quoi. Je sais pas si vous voyez, si, je sais pas si ça se voit à la caméra, la brillance. Elle est trop belle. Elle part aussi sous sleeve. Direct. Hop. Sont magnifiques. Allez, ça part la jumbo. Ah, même la jumbo, elle est texturée en fait. C'est un petit peu dommage qu'il y ait les petits éclats et les petites imperfections ici sur le côté. C'est vraiment dommage. Mais la jumbo est texturée également, quoi. Comme la Vestar en fait. C'est la Vestar en grand, quoi. Génial, magnifique. J'adore. Ensuite, le petit pins. Voilà, très beau également. Un peu brillant. Ah, par contre, c'est dommage. Je sais pas s'il y a des traces ou s'il est un peu griffé. Le petit jeton Vestar qui est déjà abîmé. Super. Et nos 5 boosters. Donc on a deux astres radieux, un point de fusion, une évolution céleste et un style de combat qui a l'air déglingué, quoi. Ben on va les ouvrir dans cet ordre-là en fait. Voilà. Alors, est-ce qu'on va avoir des dingueries cette semaine? J'en sais rien. Et qu'est-ce qu'on cherche dans ce style de combat? Je ne sais pas du tout s'il y a comme carte, donc pas grand-chose. Évolution céleste, je pense qu'il y a du Dracolos dedans que j'aimerais bien voir. Dans point fusion, j'ai pas de recherche particulière. Et dans astre radieux, là on essaye d'aller chercher le Palkia V, le Palkia V-Star et tous les Regis sauf le Regice. Ce qu'on a déjà 1000 fois. Bah on va les faire comme ça, dans cet ordre-là, c'est très bien, je trouve. Allez, c'est parti pour l'ouverture. On essaye de faire une petite ouverture propre, hein, comme d'hab, on a envie de garder les boosters pour la déco. Je vais mettre petit code pour le online. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Alors, petite énergie feu, ouvrifié, fermite,
Kit de camping, Electek, Balbuto, Scorplan, Tritox, Archéomyr, Vortante en reverse. Oh, elle est belle. Vraiment belle. Et Elekable en normal rare. Oh, c'était pas ouf ce booster-là, quoi. Hop. Allez, c'est parti pour l'évolution céleste. Un petit Dracolos, ça serait pas mal. Je suis pas sûr qu'il y ait du Dracolos, mais il me semble qu'il y ait du Dracolos dans l'évolution céleste. La petite ouverture propre qui fait toujours plaisir. Le petit code fait tout plaisir. 1, 2, 3, 4. Allez, petite énergie ténèbres, mélange multivitaminé, Dracos, Lambret, Evoli, Tritonde, Bombidou, Verpomme, Téléfix, Loupio en reverse, très belle aussi, j'aime beaucoup l'artwork. Et derrière, on a, oh, Copieuse en rainbow, super, super, voilà, une petite rainbow, ça fait plaisir. On va mettre directement sous sleeve d'ailleurs. Hop, on perd pas de temps. Voilà, tu as mérité ta protection, ma petite copieuse. Hop, voilà, c'est parti maintenant pour point de fusion. Ectoplasma. Les petites ouvertures propres comme ça, on aime ça. Alors, petit code. 1, 2, 3, 4. Alors, énergie combat. Ensuite, on a donc Delcati, Darkrai. Oh, il est magnifique le Darkrai. Crocodile, Fermite, Flamajou. Negapi, Balbuto, Quillfish, Mushana en reverse. Et oh, une petite V. Ouais, une petite V. Oh, et le magnifique Pyrobut V. Très très beau. Très très belle carte également. Elle a mérité sa petite sleeve aussi. Hop là. Et voilà. Très très oh, on a eu de beaux hits là pour le moment, deux belles cartes. Allez, c'est maintenant que le plus important se joue. C'est ici qu'on veut avoir du lourd, quoi. On veut avoir du très très lourd, quoi. Un Palkiavé, un Palkiavé Star et du Regice, si j'y arrive. Petit code. 1, 2, 3, 4. Alors, petite énergie feu, Aquacouac, Chariot échange, Mélocric, Furéglon, Quillfish de Hisui, Brindibou, Quillfish de Hisui de retour, Moustillon, génial. Ah oui, je voulais aussi toute la lignée Clamiral de Hisui, on en a besoin. Ensuite, on a Parfum Inhibiteur en reverse. Et. Oh, le Typhlosion de Hisui en rare, rare holo. Super, super. Ça, c'était un de mes hits pour la collection. Génial. Bon, par contre, c'est juste une normale holo, donc. Pas de sleeve pour toi. Désolé. Tu n'es pas un Typhlosion V ou V-Star, donc. Voilà, désolé. Allez, le dernier. Un Palkia V-Star, ça serait le feu, quoi. Ville Palkia Vestar, c'est pas pour aujourd'hui.
code. 1, 2, 3, 4. Allez, c'est parti. Énergie feu, Lino, Togetic, Scalproi, Caninos de Hisui, Grélasson, Furéglon, Ponyta, Pijako. Oh, Bastiodon en reverse, pas mal du tout. Et en rare normal, le Paragruel. Voilà, voilà. Ce dernier booster était vraiment pas ouf du tout. Cela dit, on a quand même eu un petit Typhlosion de Hisui en rare holo. Le petit Pyrobus V et alors la Rainbow ici, copieuse. On a quand même du beau petit hit sympathique. Voilà. Et bien sur ce, on se retrouve tout de suite pour le petit débrief de cette ouverture. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous. A plus les amis, ciao ciao!